Salut François. Eh bien François, tu dois te réjouir aujourd'hui. Ah oui, car nous recevons aujourd'hui un invité de marque, véritable figure mythique de la bande dessinée des années 70. Perdu. En effet, les années 70, c'est les années pif, souvenez-vous. Ce petit hebdomadaire qui fut le fer de lance de la jeunesse de l'époque. La lance de fer de l'époque de la jeunesse. Quoi? Non rien, enchaîne. Si l'on vous dit Coutelas d'Ivoire, fils des âges farouches, collier au croc acéré... Paris by night. Non, vous ne rêvez pas. Aujourd'hui, le fils de Krao le sage est parmi nous. Raon. Ouais. Alors, Raon, vous accordez la force, le courage, la virilité. Raon, c'est l'homme dont rêvent les petits garçons, c'est le lion de la forêt, c'est le héros de notre enfance. C'est la baie des cochons. Tout d'abord, Raon, merci d'être là. C'est à nous que vous avez décidé d'accorder cette première interview. C'est un immense honneur. Immensissime. Bien, durant la période des années 70, on n'a jamais rien su de vous. Pif Gadget a cessé de paraître, vous vous êtes retiré par force ou par dépit, et nous allons tenter de le comprendre. Alors, qu'avez-vous fait pendant ces longues années où l'on est resté sans nouvelles de vous? Eh bien voilà, j'étais parti. Oh là là, là. Non, oh non, attends, là. Ça fout le cafard là. Attends, non, ça fout le cafard là. Ça va pas pouvoir marcher comme ça. Non, là. C'est pas possible là. Ah, ça fout tout d'un coup un coup de cafard là. Oh là, je suis pas super bien là moi. Non, moi non plus. Vous... Redites quelque chose, va. Qu'est-ce que vous voulez? Oh là là, oh là là, là c'est un petit peu un mythe qui s'effondre là, François. Oui, tout à fait. Un petit peu comme une mythe, hein. Cette émission va s'arrêter là. Ouais. Nous allons clore cette interview qui n'aurait peut-être jamais dû avoir lieu. On est désolé, c'est du direct, hein. Jean, bonsoir. Salut François. Je voulais vous demander. Non, on va s'arrêter là, peut-être. Ça suffit. Bonsoir.